projet d'aquaculture durable à Madagascar, ou PADM, fait partie du programme mondial Pêche et aquaculture durable et est mis en œuvre par la GIZ. Ce programme contribue à la réalisation des objectifs de l'initiative spéciale Un seul monde sans fin du ministère fédéral de la coopération économique et du développement allemand qui vise à réduire l'extrême pauvreté et la faim. L'objectif de PADM avec l'aquaculture durable est de permettre aux populations des hautes terres, de l'agglomération dont on en arrive et de la côte est, souffrant d'insécurité alimentaire, de disposer davantage de poissons et de voir leurs revenus augmenter. Le projet contribue aux objectifs de développement durable 1, 2, 5 et 8. La rizipisciculture consiste en l'élevage de poissons dans une rizière en même temps que la culture du riz. La composante A du PADM, qui est mise en œuvre par l'ONG Abdra, vise à promouvoir ce système de production dans les hautes terres de Madagascar. Les activités principales de cette composante sont de former les grossisseurs et les alvineurs pour initier et développer la production rizipiscicole. Fahasalaman'ny ao an-tokantrano izany amin'ny fihinanana trondro dia hitako ho normal na ny ankizy aza tena tongatonga. L'objectif de la composante B du projet PADM est de promouvoir la pisciculture en étang. Dans la région Analamang, les producteurs d'alevins et poissons sont formés aux méthodes d'augmentation de la production aquacole de manière durable par le partenariat de mise en œuvre COFAD GOPA. Sur la côte est, de petits agriculteurs et agricultrices sont initiés à l'aquaculture en étang et soutenus dans la formation d'une nouvelle coopérative au sein de la coopérative piscicole Tilapia de l'Est. Norgesvel est le partenaire de mise en œuvre du PADM pour cette composante. La composante C vise à améliorer les conditions cadres pour le développement durable du secteur aquacole. Cette composante C est mise en œuvre par la GIZ en étroite collaboration avec le partenaire politique du PADM, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Oui, nous faisons voir à l'Afrique, à Pansouna, à Madagascar, qui est en train de faire des Philippines à grande échelle, ça nous est à une tour de Midatasca, qui est à la fin de la Tanzania, les Philippines à Tumpsan. Vokatra netin'ny tetikasa aloha misy ny fanatsarana an'izay teknika fiompiana trondro izay. Ny trondro dia misy ny proteïna ho an'ny vahoaka malagasy. Dika amin'izay izany sakafo ahafahana manatsara ny fahasalamana sy afaka iadiana ny tsy fanjarian'ny sakafo ny trondro.